Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui, je vous ne fais pas un tutoriel, mais je vous fais une petite vidéo prévention sur YouTube. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des liens sur YouTube. Mais pas des simples liens, puisque je vais vous parler des liens qui viennent de personnes mal intentionnées que vous auriez certainement peut-être déjà vu sur YouTube en commentaire. Certains savent certainement déjà comment voir ces liens, mais peut-être pas d'autres. Eh bien, c'est simple. Sur YouTube, vous avez dans l'espace commentaires qui se divise en plusieurs parties, ceux qui parlent de la vidéo, ceux qui dislike et ceux qui font la promotion d'un site miracle avec souvent un lien découpé ou modifié. Vous avez à l'écran même quelques exemples que j'ai pu prendre récemment en screen dans les commentaires de certaines vidéos YouTube. On peut y voir de la pub pour des générateurs de codes de cartes prépayées PlayStation et d'autres comme la même chose pour le Xbox Live. Les cartes prépayées sont d'ailleurs les plus gros sujets de ces pubs et sont les sujets les plus visés. D'ailleurs, ces pubs sont centrées sur un type de vidéo. Par exemple, vous retrouverez 3 fois plus de pubs comme celle-ci pour des codes PlayStation sur une vidéo basée sur un sujet concernant la PlayStation que sur une vidéo de cuisine, par exemple. Pour repérer ces pubs mal intentionnées, c'est simple. Généralement, ils sont écrits en gras. Jusque-là, ça va, mais tout le monde peut écrire en gras. Ensuite, beaucoup, voire même tous, ne savent pas écrire une phrase correctement, surtout si c'est en français, et généralement c'est en anglais, mais aussi en français. Il manque soit un mot, soit la phrase ne veut rien dire ou n'a pas vraiment de sens, à cause du fait que ce sont généralement des bots qui écrivent en masse sur plusieurs vidéos. Ensuite, certains généralement possèdent un quota assez énorme de pouces bleus, encore une fois ce sont les mêmes bots qui likent ces mêmes pubs. Et le dernier indice pour repérer ces derniers, comme sur les screens, ces mêmes pubs contiennent les liens soit modifiés, par exemple avec une étoile à la place d'un espace, ou alors ils séparent des morceaux d'URL. On voit par exemple le .com qui est espacé du reste, tout simplement car les liens suspects sont directement bloqués sur YouTube. Alors à quoi servent ces liens et où mènent-ils ? Eh bien, ils vous emmènent bel et bien sur un site de générateur de code, mais généralement pas du tout fiable, ou alors vers un site de phishing. Le site pas fiable vous demandera de compléter des offres de téléphone avec au final une arnaque et donc pas de code. Et le site de phishing vous demandera vos informations de compte PlayStation comme par exemple votre adresse mail et vos mots de passe de compte PlayStation. Personnellement, j'ai la notification de chaque commentaire sur mes vidéos et comme je les regarde tous, chaque pub mal intentionnée passe devant mes yeux. Je les bloque et supprime le plus rapidement possible afin qu'aucun d'entre vous ne clique dessus. J'ai vu parfois des abonnés injurer ces mêmes pubeurs. Mais bon, ça ne fera rien puisque ce sont des bots, mais bien essayez quand même. Si vous en voyez, cliquez sur le bouton « Signaler » et signalez-le comme spam et abus. Sachez également que pour ma chaîne, ou en tout cas pour mes vidéos, tous les liens en commentaire, s'il y en a, sont safe, sont validés. Surtout que j'en accepte rarement. Je les contrôle avant de les valider, sinon je les supprime. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo prévention sur ces liens. J'espère que vous ne vous êtes pas fait avoir auparavant, sinon il se peut qu'aucune de ces pubs vous mène également à un site contenant en réalité un virus, et dans ce cas-là je vous invite à faire le ménage avec les antivirus et les logiciels que je vous mets en description ou en tout cas en recommandation. Sinon je vous dis laissez un pouce vert si la vidéo vous a plu, cette petite vidéo prévention vous a plu, un dislike si ce n'est pas le cas. Abonnez-vous pour voir les futurs tutoriels ou les futures vidéos normaux. Et je vous dis, portez-vous très très bien. Hold up, this the game that chose us. Pioneer started on my corner like the cold crush. Had smokers line.